moi ma tétine. Boulette, attrape. Milady, à toi. Ce jeu est tellement chouette que j'y jouerai bien toute la journée. Tu m'excuses, Pilou, mais Maître Ninja m'attend pour ma leçon de charaté. Oh, désolé les amis, il faut aussi que je parte. Je dois aller voir mon oncle Archibald, je suis en retard. Ça perd les paupiettes, il faut que je me dépêche. C'est aujourd'hui la dégustation de croquettes pour chat. Au revoir, Pilou. À tout à l'heure. En un rien de temps, tout le monde s'est sauvé. C'est pas grave, comme ça je vais avoir toute la journée pour jouer avec ma poupée Candice. Dis Candice, tu veux qu'on aille se promener au parc? D'accord? Il fait tellement beau aujourd'hui, tu vas voir, on va bien s'amuser toutes les deux. Oh, regarde qui est là, Candice. Bonjour, Pilou. Où est-ce que tu vas comme ça? Bonjour, Docteur Fizbee. Je fais une promenade avec Candice au parc. Oh, mais dis-moi, ta poupée est très jolie. Docteur Fizbee, sans vous déranger, est-ce que je peux vous demander d'examiner Candice? Oh, mais évidemment, Pilou. Où que j'aille, j'ai toujours mon thermomètre sur moi. Bien, voyons si elle a de la fièvre. Non, elle n'en a pas. Ta petite se porte comme un charme. Et en plus, elle n'a même pas besoin de tétine, c'est bien. Elle se comporte comme une grande. Merci, Docteur Fizbee. Au revoir. Au revoir, Pilou. Au revoir, Candice. Oh, c'est sorbet. Ça tombe bien, j'ai très envie d'une glace. Tiens. Attends-moi ici, je reviens et sois bien sage. Et voilà ta glace, Pilou. Merci, sorbet. Voilà, Romy, on est arrivé. Tu es contente d'être au parc? Oh, mon cœur, ça suffit, tu es une grande fille maintenant. Et les grandes filles ne sucent plus leur tétine, ma puce. Bon, d'accord, d'accord. Mais tôt ou tard, il faudra bien que tu arrêtes. Je reviens. Ce parfum aux croquettes pour chat est chatastique. Allez, Candice, rentrons à la maison. Bonjour, sorbet. Je peux avoir une glace? Tiens, Lola, régale-toi. Oh, merci, sorbet. Au revoir. J'espère que Romy ne s'est pas réveillée. Mais où est Romy? On a fait une belle promenade toutes les deux, hein, Candice? Après toute cette marche, je vais t'imiter et dormir un peu. Oh, fais de beaux rêves, Candice. Hein? Je savais pas que Candice pouvait pleurer. Oh! Soit tu t'es transformée en bébé chat, soit je me suis trompée de poussette et j'en ai pris une autre. Non, arrête, ne pleure pas. Regarde-moi, regarde-moi. Je suis un clown. Ça ne fonctionne pas. Il faut absolument que je trouve un moyen de la calmer. Endors-toi vite, ne pleure pas. Sois un gentil bébé chat. Oh. Je viens d'avoir une miste idée de génie. Je vais lui montrer les jouets que j'avais quand j'étais bébé. Tiens, regarde, c'est joli, hein? Tu as vu? Vas-y, prends ce qui te plaît. Tu veux savoir ce que tu as choisi? Ça s'appelle une tétine, on me l'avait offerte, mais j'avais déjà passé l'âge pour en avoir une et je l'ai jamais utilisée. Dis donc, qu'est-ce que tu fais? T'es trop grande pour sucer une totote. Sois mignonne, allez, rends-moi ma tétine. Allez. Si cette tétine est la seule chose qui peut t'empêcher de pleurer, alors c'est d'accord, garde-la. Mais juste le temps que je trouve ta maman. J'ai intérêt à me dépêcher de trouver qui est sa maman et vite lui ramener. Képi! Le chat
policier! Bonjour, Lola. Quelque chose ne va pas? Romy, ma Romy adorée, elle a disparu. Et dans la poussette à sa place, il y avait ceci. Une poupée chat! Je vais t'aider à la retrouver. Peut-être qu'elle est rentrée toute seule. Pour commencer, allons voir chez vous. Coucou, Pilou, qu'est-ce qui t'amène par ici? Bonjour, Flip. Bonjour, Flap. J'essaie de trouver la maman de ce bébé chat. Oh, elle est trop mignon, cette petite. Mais dis donc, qu'est-ce que tu fais avec cette tétine dans la bouche? Allons, t'es une grande fille. Vous êtes des clowns. Est-ce que vous pouvez faire un de vos numéros pour la calmer? Hein? Pitié, dites oui. Je vous remercie quand même. Au revoir, Flip et Flap. Bonne promenade, Pilou. Dis-moi, petite chatounette, tu veux bien me dire qui est ta maman? Bon, d'accord. Je vais continuer à la chercher en me débrouillant toute seule. Carlito, Snobin, bonjour les amis. Bonjour, Pilou. Tu emmènes Candice en promenade? Non, à vrai dire, je cherche la maman de cette petite. Oh, mais regardez le petit ange que voici. Et ses yeux, je fonds. Oh, une grande fille comme toi encore en train de sucer sa tétine. Calme-toi, chérie, chérie. Tu es mon miroir. Regarde. Voilà, c'est bien. Tu as fini par te calmer. Les chatons adorent jouer avec les miroirs. Pilou, apparemment, tu l'as fait rire. Oui, c'est vrai, mais j'ai quand même l'impression qu'elle préfère sucer sa tétine. À bientôt, Pilou. Au revoir, très cher. Coucou, Pilou. Quel bon vent t'amène? Bonjour, Gaz. Eh bien, je cherche la maman de cette petite. Et comment s'appelle ce petit amour? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je veux trouver sa maman. Et ce qui serait bien aussi, c'est que j'arrive à lui faire abandonner sa tétine. Tonton Gaz sait comment s'y prendre avec les enfants. Voici un ballon gonflé aux proutes et je vais le faire éclater. Non, Gaz, attends. Je te l'avais dit, les enfants, ça me connaît. Tu avais raison. Et en plus, je crois que cette fois, elle ne veut plus de sa tétine, c'est chatastique. Alors c'est vrai, tu abandonnes ta tétine, t'en veux plus. Tu es une grande maintenant. Bravo, petite demoiselle. Tu veux bien dire à Pilou qui est ta maman? Lola. Lola? Mais bien sûr, je la connais et je sais où elle habite. Dans l'immeuble abandonné. Au revoir, Gaz. Une fois de plus, mission puante accomplie. C'est l'immeuble où habite Lola. Voyons si ta maman est là. Oh, justement, la voilà. Regarde, Lola. Romy est devant la maison. Maman! Oh, ma petite chérie. Mais dis-moi, tu n'as plus besoin de ta tétine? Non, Lola. Romy est une grande maintenant. Sa tétine, elle n'en veut plus. Hein, c'est vrai, Romy, c'est terminé. Ça alors, mais c'est une merveilleuse nouvelle. Bravo, Romy, c'est très bien. Pilou.
Bien sûr, ma chérie. Il faut aussi dire bravo à Pilou. C'est vrai, tu as été une nounou parfaite. Merci à toi de me l'avoir ramenée. Maintenant, Pilou et Romy sont amis pour la vie. Et je vais pouvoir rentrer à la maison avec Candice. Au revoir, Képi. Au revoir, Lola. Au revoir, Romy. Au revoir, Pilou. Et encore merci pour ton aide précieuse. Pilou, on se demandait où tu étais. Eh bien, mes chers camarades, Candice et moi, on a passé une journée chatastique. Tiens, c'est sûrement la tétine de Romy. De toute façon, elle en a plus besoin. Dis donc, Boulette, tu n'es pas un peu trop grand pour avoir une tétine? Une tétine? J'en ai jamais eu. Docteur Fisby, vous connaissez un moyen pour que Boulette retire cette tétine de sa bouche? En effet, j'en connais un. Je m'en occupe, Pilou. Vous voulez faire quoi exactement avec ce marteau géant, Docteur Fisby? Je souhaite simplement tester tes réflexes pour que tu laisses tomber cette tétine une bonne fois pour toutes. Mais docteur, j'ai pas de tétine. J'en ai jamais eu, je vous dis. Est-ce que nous allons voir? Ha 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 ha